got it too, feeling like 20 pairs of shoes. Who you gonna call? Il l'avait dit à tout le monde, à ma mère, à ma belle-mère, aux policiers, aux collègues de travail. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Il l'avait dit aussi aux amis du café, aux voisins, aux facteurs, aux peintres qui étaient venus rafraîchir les murs de la cuisine. Tout le monde. Mais vraiment, tout le monde le savait. Même ceux de la pompe à essence, même à la salle de jeu, tout le monde le savait. Les clients de la boucherie aussi, ils le savaient. Parce qu'à eux aussi, ils l'avaient dit. Qu'ils me tueraient. Et en effet, quand il l'a fait, ça n'a surpris personne. Tout le monde le savait déjà. Sur les journaux, il était écrit « Folie meurtrière inattendue ». Alors donc, ça faisait des années qu'il le disait à tout vent. À moi, réellement, ça m'a semblé une mort annoncée. Annoncée. J'ai eu l'annonciation, comme la Vierge Marie, claire et nette, connue de tous, ce qui est quand même une belle satisfaction dans un pays comme celui-ci où on ne sait jamais rien. La Belgique des mystères, on l'appelle, mais des vrais mystères qui restent mystérieux pendant des années. Les Flamands, les Wallons, les Bruxellois en plus, et la crise. Il y a quelqu'un qui a la solution? Rien. Quelqu'un qui a compris quelque chose? L'obscurité totale. Mais quand je suis morte, moi, tout le monde a tout de suite compris que c'était mon mari qui m'avait assassinée. Évidemment, puisqu'il avait été de dire à tout le monde qu'il me tuerait. Et donc il l'a fait. Si ça, c'est pas des satisfactions. Il n'y a qu'une chose que je comprends pas. Si tout le monde le savait, pourquoi on l'a laissé faire? Et moi, pourquoi je l'ai laissé faire?